Bonjour à tous, aujourd'hui on te propose de faire un carrot cake. Pour ça, il te faudra 5 carottes bio, 200 g de beurre, du fromage frais, un citron, de la cannelle, une pincée de sel, 250 g de farine, 300 g de sucre, des noix de pécan, de la levure chimique, du bicarbonate et 4 bio avec du sucre glace. Tu peux commencer par verser la farine dans un saladier. Tu y rajoutes ensuite 2 cuillères à café de bicarbonate. Verse également un sachet de levure chimique, une cuillère ou deux de cannelle, ça c'est toi qui choisis. Une pincée de sel et tu peux déjà mélanger le tout. Rajoute ensuite les 300 g de sucre. Tu peux ensuite rajouter les 4 œufs, le blanc et le jaune. Attention aux coquilles! Mélange le tout afin d'obtenir un résultat homogène. Demande l'aide de tes parents pour faire fondre les 200 g de beurre au micro-ondes. Rajoute le beurre et encore une fois, mélange. Ensuite, il faut presser un demi-citron dans le mélange. Ensuite, brise les noix de pécan. Nous, on a utilisé 50 g. Râpe les 6 carottes. Tu peux faire comme ça ou comme ça. Rajoute les carottes râpées au saladier et mélange. Mets le tout dans un plat avec du papier de cuisson pour le retirer plus facilement. À nouveau, fais-toi aider de tes parents pour la cuisson. C'est au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Une fois le gâteau sorti du four, rajoute 250 g de fromage frais et 150 g de sucre glace pour faire le glaçage. Mélange le tout et étale sur ton gâteau avec une grosse cuillère. Et hop, c'est prêt à déguster. Bon appétit !